Mesdames, Messieurs, je crois que j'ai un petit moment de fierté à être avec vous ce soir parce que pour un élu, il y a différentes situations. Parfois, il faut gérer des situations difficiles, hein, que ce soit pour la recherche d'emploi, pour d'autres moments difficiles, et il y a d'autres moments qui font plaisir. Alors pour un élu, quand on coupe un ruban, ça fait plaisir. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge, monsieur le maire, on fait pas longtemps. Quelque chose qui bouge, ça veut dire qu'on remue, parce qu'on ne veut pas mourir peut-être dans ce secteur un peu éloigné, mais on est au centre de tout, je dis, pas très éloigné. Et puis, la formation. Vous savez, vous, je m'adresse à vous, les jeunes, je crois que vous pouvez être fiers d'être dans un établissement comme celui-ci, parce qu'on prépare des bases solides pour demain ou après-demain. Et peut-être vous ne le percevez pas, mais moi, nous, certains ici, qui ont des temps un peu plus grisonnantes, on a peut-être quelquefois des regrets de ne pas avoir su profiter de ce que vous nous inculquez. Et après, on l'a fait parce qu'on essaye de se débrouiller. Mais si vous avez des bases solides, c'est que demain, c'est vous qui allez manager et le pays, et la région, le pays, peut-être le monde aussi. Et ça me paraît important. Comme ce monde va très vite, et il est plein de turbulences, je vous demanderai quand même simplement, avec l'acquis qu'on vous a donné, c'est de rester humble et fier dans vos bottes. Parce que moi, j'ai l'occasion de côtoyer dans des sphères parisiennes, où on est peut-être souvent pas manager, parce que c'est pas le mot. Mais on nous dit fortement, il faut faire ceci, il faut faire cela, il y a des directives. Pour nous, c'est peut-être souvent des contraintes qui ne rentrent même pas en complémentarité avec ce qu'on a sur le terrain. Et je dis simplement que c'est des gens qui sont instruits, mais pas intelligents. Et je crois que nous, dans ce monde rural, je côtoie beaucoup de gens qui sont intelligents et peu instruits. Et quelque part, ça me réconforte. Et vous, si en plus vous êtes instruit et intelligent, ça ne peut que marcher. Alors j'espère vous voir bientôt, quand on parlera de Bosco, vous, futurs consommateurs de demain, et oui, j'étais à Saint-Jean-Mouche, oui, j'étais à Gabaret. Et j'ai vécu une preuve. Mon fils qui est venu il y a, pas longtemps, si, il y a 40 ans, il est chef d'entreprise à l'étranger, en Espagne notamment. Et il garde très bons souvenirs de Bosco. Notamment quand il y avait un célèbre professeur qui, avec les mains de fer, un peu dans un gant de velours, je ne vais pas citer le nom, ah si, je vais vous dire, c'est Jean-Marie Sauvage. Quand il n'écoutait pas les leçons, il était comme ça, oui, le foutait en haut de l'armoire. Et il ne s'est jamais fâché, toi non plus d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est bien. Alors, vous aurez des bonnes bases. Je crois que vous êtes privilégiés, mais restez-le et soyez simple. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Cruchot, merci de nous avoir invités. Moi, je vais peut-être compléter un peu ce qu'a dit Michel. J'ai cru à un moment donné qu'il avait fait quelques erreurs dans les calculs, dans les additions et les soustractions permettant de calculer son âge. Mais je pensais que quelques temps pour l'âge lui permette de dépasser facilement la quarantaine. Alors moi, je voudrais très simplement, si on est ici, c'est pour effectivement récompenser des enfants et des jeunes qui se sont investis. Autour d'eux, il y a une équipe éducative, les professeurs qui sont là, qui font leur boulot. S'ils ne le faisaient pas, bon, je ne pense pas qu'il y aurait ces résultats. Peut-être même M. Cruchon aussi, vous êtes leader de cette équipe pour rendre cet établissement attractif dans une région qui n'est pas forcément jusqu'à maintenant. On vous félicite, nous les élus, certainement complétera ce que je dirais, mais les élus de toutes ces régions pour l'attractivité que vous faites sur cet établissement. Et tout le combat que vous menez pour justement sortir des enfants de sentiers difficiles. Je crois que nous sommes dans une période où effectivement
on cherche des valeurs. Ici, on les trouve très, très aisément grâce à l'enseignement, les équipes qui sont là, toutes les équipes. Je crois que, effectivement, dans un petit établissement comme ça, on doit se différencier des autres. C'est ce que vous faites, continuez à le faire. Et nous, de notre côté, on essaiera, comme on s'y est engagé, à rendre cette région attractive. Attractive pour le présent, mais surtout pour l'avenir. Parce qu'on espère bien que les enfants qui sont formés maintenant trouveront à s'épanouir dans d'autres établissements pour prolonger leurs études, mais que nous aurons fait collectivement des efforts pour installer des emplois pérennes dans la région et qu'ils pourront revenir travailler dans la région. Voilà, c'est mon souhait le plus vif. Je vous encourage, M. Pouchon, toutes les équipes qui accompagnent M. Pouchon dans cette démarche, parce qu'elle est vraiment très sincère pour cette région, et on est tous avec vous. Bonne soirée à tous. Bon, un peu grisonnant les dents, la vue baissant, et afin de ne rien oublier, je me suis préparé une page quand même. Vous n'en avez pas beaucoup lu. Vous l'avez à mémoire. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, je voudrais en premier lieu adresser mes félicitations à tous les acteurs qui ont permis et obtenu ces remarquables résultats. Féliciter les élèves, bien sûr, mais aussi le personnel enseignant qui doit savourer pleinement. À plusieurs, on est plus fort que seul. Et votre équipe est sûrement motivée et soudée. L'équipe, elle commence par vous, monsieur le directeur. Mais vous permettrez, et vous ne m'en voudrez pas, si j'enrobe l'ensemble du personnel qui assure le bien-être de toute cette belle jeunesse. Nous, élus de Gabarret, sommes spectateurs, attentifs et apprécions simplement et fièrement le film. Je sais, je l'entends, je le lis. La renommée de votre établissement franchit allègrement les limites de notre canton et même de notre département. En haussant le niveau scolaire, vous contribuez directement à l'amélioration de l'image poussiéreuse de notre village trop longtemps entretenu. Notre partenariat est sans équivoque. Je le pense loyal, franc, durable et juste. Vos méthodes de travail sont semblables, tout modestement, aux nôtres. Pas trop de paroles superflues, mais du travail, des actes. Pas de perte de temps, mais de l'efficacité. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, les élus de Gabarret sont à votre écoute et, à la mesure de leurs moyens, répondront favorablement à vos attentes. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de la scolarisation de 700 élèves sur notre commune, tout établissement confondu. Si demain, il y en a 800, nous nous réjouirons et apprécierons. Et je pense pour ça pouvoir compter sur vous. Bravo à vous tous, et merci pour votre réussite qui consolide la réputation de notre territoire. Bon vent à votre établissement, et que tout dure comme aujourd'hui. May the good Lord be with you down every road you roam. And may sunshine and happiness surround you when you're far from home. And may you grow to be proud, dignified and true. And do unto others as you'd have done to you. Be courageous and be brave, and in my heart you'll always stay for.
forever young. Forever young. May good fortune be with you, may your guiding light be strong. Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond. And may you never love in vain. And in my heart, you'll always remain forever young. Forever young. When you finally fly away, I'll be hoping that I served you well. For all the wisdom of a lifetime, no one can ever tell. But whatever road you choose, I'm right behind you, win or lose. Forever young, forever young. May the good Lord be with you down every road you roam. And may sunshine and happiness surround you when you're far from home. And may you grow to be proud, dignified and true. And do unto others as you'd have done to you. Be courageous and be brave. And in my heart, you'll always stay forever young. Forever young. May the good Lord be with you down every road you roam. And may sunshine and happiness surround you when you're far from home. And may you grow to be proud, dignified and true. And do unto others as you'd have done to you. Be courageous and be brave.
And in my heart, you'll always stay forever young.